J'ai souhaité ce film sur les moteurs parce que sans moteur, il n'y aurait jamais eu d'aviation. Ce sont les progrès des moteurs qui ont permis aux pionniers de l'aviation de faire leurs exploits. Et on a souvent dit qu'on construisait un avion autour de son moteur. Le moteur, c'est l'âme de l'avion et c'est malheureusement le grand oublié des multiples histoires sur l'aviation. Voler. S'envoler et maîtriser la course d'un plus lourd que l'air. Voilà le défi extraordinaire que vont s'acharner à relever les pionniers de l'aviation en ce début de XXe siècle. Plusieurs expériences de planeurs réussies dès la fin du XIXe siècle permettent de penser que le vol d'un aéroplane motorisé, autonome et piloté, est possible. La question de la puissance motrice, capable de propulser un aéroplane, passionne les ingénieurs de la belle époque. Novembre 1906, Alberto Santos Dumont arrache son 14 bis, un biplan construit par Gabriel Voisin et propulsé par un moteur V8 Antoinette de 50 chevaux, refroidi par air. Il réussit ainsi le premier vol homologué en Europe d'un aéroplane muni d'un moteur à explosion. Son concepteur, Léon Levavasseur, ingénieur motoriste inspiré, donne à l'aviation naissante le propulseur qu'elle attend. Effectivement, le moteur Antoinette est le premier moteur spécialement conçu pour l'aviation par l'ingénieur Levavasseur, qui s'est inspiré des travaux de Clément Ader, notamment pour son architecture dite en V. À cette époque, les moteurs proviennent essentiellement du domaine automobile. Ils sont très lourds. Et en aviation, pour pouvoir faire décoller un avion, il faut au minimum 25 chevaux. Levavasseur a beaucoup utilisé pour la fabrication de ses moteurs l'aluminium, le cuivre, le laiton, l'acier. Les seules pièces lourdes étaient les pistons qui étaient en fonte. En 1907, Charles Voisin est le premier pilote français à effectuer un vol motorisé sur une distance de 60 mètres. On va trouver la même année les ingénieurs Briguet et Richer qui vont mettre au point leur gyroplane qui va s'élever de 50 cm. En 1908, Henri Farman effectue ce qui est un record, le premier kilomètre en circuit fermé, mais il effectue également le premier voyage de ville à ville. Grâce à l'Antoinette, le plus lourd que l'air prend son essor. La grande aventure de l'aéronautique motorisée écrit les premières pages de son histoire. Tous les pilotes et tous les constructeurs du moment vont utiliser le moteur Antoinette vu que c'est le seul qui est disponible avec ses performances sur le marché. On peut dire que Levavasseur est un ingénieur artisan. Il sait en permanence s'adapter à la demande de ses clients en leur proposant ce qu'on appellerait aujourd'hui des options. Tout au début, les principaux clients vont être Ferber, les ateliers voisins, Blériot. L'Antoinette va connaître la consécration entre 1906 et 1909 en raflant tous les records dans tous les meetings, dans tous les championnats qui ont lieu à cette époque. Le premier salon de la locomotion aérienne de Paris en 1908 marque une date importante dans l'histoire de la motorisation des aéroplanes. Parmi les mécaniques présentées sous les voûtes du Grand Palais par Anzani, Antoinette, Clément Clerget ou Renault, les frères Louis et Laurent Seguin, à la tête de la société Gnome, dévoilent une merveille de technicité, le moteur rotatif baptisé Oméga. Le moteur Oméga est tout à fait révolutionnaire déjà dans son architecture puisque c'est un moteur en étoile. Mais encore plus par son mode de fonctionnement, puisque c'est un moteur en étoile rotatif. Son mode de fonctionnement diffère totalement de ce qui existait jusqu'à présent, à savoir notamment un vilebrequin qui est fixe et toute la partie embiellage, carter moteur et hélice qui tourne autour de ce vilebrequin. Le moteur Oméga est un moteur à refroidissement par air. Il n'a plus besoin de radiateur, de pompe, de tuyauterie. Il va gagner énormément en masse. On obtient donc un moteur qui fait 75 kg et qui développe 50 chevaux. En 1909, le moteur Oméga est le plus léger, le plus fiable et le plus performant des moteurs du moment.
C'est lors de la Grande Semaine de Champagne de 1909 que l'Oméga gagne ses lettres de noblesse. Sous les yeux du président Falière, Henri Farman y pulvérise les records du monde de distance et de durée de vol. De 1909 à 1914, Blériot, Voisin, Paulhan, les frères Caudron, mais aussi Védrine et Garros, engrangent records et trophées grâce à l'Oméga. La témérité de ses pilotes, la qualité de son matériel, en particulier les moteurs, positionne alors l'aéronautique française comme la première au monde. Sur les traces des succès des moteurs Knoum, les sociétés Clerget-Blin et Le Rhône contribuent à l'amélioration de la technologie du rotatif. Le moteur Oméga est un grand succès industriel. On va s'en apercevoir au niveau des commandes qui affluent de toutes parts, des licences qui vont être vendues à des pays étrangers, comme notamment l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la Suède, la Russie et voire même les États-Unis, ce qui prouve qu'effectivement ce moteur est très intéressant et très performant. Le moteur rotatif est la solution en matière de moteur, du moins à ce moment-là. Le déclenchement du premier conflit mondial accélère le processus d'industrialisation de l'aéronautique. Constructeurs et motoristes s'impliquent activement dans l'effort de guerre. Les sociétés Knoum et Le Rhône fusionnent et étoffent leur gamme de modèles avec le fameux Le Rhône 9 cylindres, communément appelé le Rototo. Renault et Hispano-Suiza équipent de leur V8 les SPAD et autres Breguet. À l'issue de la Grande Guerre, les surplus d'aéronefs militaires sont employés à la création et au développement des lignes aériennes commerciales. Mais fragile et peu endurant, le moteur rotatif se montre désormais inadapté à ces nouvelles missions. L'aviation civile naissante requiert des machines performantes et fiables, capables de voler plus vite, plus haut, plus loin. Aussi, deux familles de propulseurs s'imposent parallèlement, comme les successeurs du Rototo. Les moteurs en V, à refroidissement par eau, principalement développés par Renault, Lauren-Dietrich ou Hispano-Suiza, et ceux en étoile fixe proposés par Samson ou Gnome et Rhône. À la société des moteurs Gnome et Rhône, on a fait des moteurs rotatifs depuis 1909-1910 pour Gnome. On maîtrise les moteurs en étoile. La technologie très particulière, parce que c'est de l'usinage au centième de millimètre. On est dans une technologie nouvelle. Le Jupiter, il a comme avantage la légèreté. On est à 300 kg en petite masse et on a quand même 420 chevaux. Il a quelque part les avantages du rotatif, mais il n'est pas moteur énorme et monstrueux de chez Hispano. Le moteur Hispano, il a ceci de particulier qu'il reprend une caractéristique du moteur de la Vavasseur sur le Antoinette, c'est que pour une même rangée de cylindres, les deux bielles sont tourillonnent sur un même palier, elles sont jointes. Ça évite d'avoir des vides brequins qui fassent un mètre de long pour un V12. Donc on a des moteurs qui sont en aluminium et qui sont assez courts, qui tournent à 2-3 000 tours. Donc avec les réducteurs, avec les organes autour, on arrive à faire des moteurs de 600 chevaux qui sont très fiables et qui sont remarquables. Le transport aérien va commencer à partir de trois machines essentiellement. Le Breguet 14 qui va être transformé en avion de transport et d'autres, mais surtout le Farman Goliath. Alors évidemment, il a des caractéristiques qui vont bien pour le transport aérien puisqu'il peut emmener 10 personnes. Une tonne de charge, 10 personnes, et faire 400 km, donc il va faire Paris-Londres. Dans les années 20 et 30, on va faire des avions métalliques. Alors le métal, ça permet de faire des gros avions, notamment pour le transport aérien, ce qui rentabilise l'investissement sur un vol. On va pouvoir mettre 20-25 passagers dans la carlingue, mais il faut de la puissance et de la fiabilité. Pour augmenter la puissance, dans les années 20, on va augmenter la cylindrée. Le 7 cylindres, ça va devenir un 14 cylindres. On va accoler deux étoiles. On va suralimenter les moteurs. On va les gaver en air et en essence par un turbo ou une pompe. Il y a plusieurs systèmes.
Chez Hispano, on a tout utilisé chez Gnomeron aussi. Le moteur Jupiter, qui fait dans les 400-450 chevaux, il va passer à 870 et à 900 chevaux avec le turbo. Grâce à cette nouvelle génération de moteurs, les compagnies nationales de transports aériens étendent leur réseau par-delà les continents et les océans. Au cours des années 20 et 30, les pilotes français relèvent tous les défis et accumulent les records et les exploits sportifs toujours plus audacieux, contribuant ainsi au rayonnement de l'industrie aéronautique nationale dans le monde entier. À partir des années 26-27, on va faire des records. Et Hispano va devenir le champion des records. Alors, le moteur Hispano, il est réputé pour être monté dans tout un tas de machines qui ont battu des records d'altitude, des records de vitesse. Le record de vitesse a été battu tous les ans par le moteur Hispano lui-même. Record de distance aussi. Le cousinet arc-en-ciel de Mermoz était motorisé par trois moteurs Hispano. La période de l'entre-deux-guerres se révèle faste pour les motoristes français. Hispano Suiza remporte 36 des 76 records du monde, homologués par la Fédération Aéronautique Internationale, dont les traversées de l'Atlantique Sud et Nord. Gnomeron devient le premier exportateur de moteurs d'avion de la planète et Renault commercialise plus de 10 000 exemplaires de ses V12. Gnomeron, qui a failli disparaître en 1921, cherche à vendre ses moteurs partout. De fait, les moteurs Gnomeron vont être vendus dans 11 ou 12 pays du monde, même aux États-Unis, y compris à l'Allemagne d'ailleurs. Hispano, c'est la même chose. Grâce au franc qui s'est beaucoup dévalué et grâce à la qualité quand même de ces moteurs, 12J, 12N, il y en a toute une famille, on a vendu beaucoup. On peut dire quand même que c'est un succès de l'industrie française. Mais ces excellents résultats masquent à peine l'essoufflement de l'industrie aéronautique nationale. Déjà en ce début des années 30, l'anglais Frank Whittle et l'allemand Hans von Hohen initient le développement de programmes de moteurs à réaction. Face aux tensions politiques naissantes en Europe, la France lance son plan de réarmement dès 1935. L'effort de production des motoristes est alors orienté vers les commandes d'État pour l'armée de l'air. L'industrie aéronautique nationale ressort exsangue de la Seconde Guerre mondiale. Dès 1945, le gouvernement français décide la création de la SNECMA à partir des débris de Gnomeron et de Renault Aviation nationalisés. Turbopropulseurs et turboréacteurs détrônent progressivement la technologie des moteurs à piston. Pour combler leur retard dans cette nouvelle technologie, les motoristes français font appel aux ingénieurs des programmes allemands de réacteurs développés durant la guerre. La SNECMA lance alors la série des moteurs ATAR. Dans les années 50, alors que les premiers jets commerciaux entrent en service dans les compagnies aériennes, la SNECMA entreprend une collaboration avec le britannique Rolls-Royce pour moderniser et accroître la puissance du moteur anglais Olympus, destiné à propulser Concorde. Alors le moteur Olympus, il est dérivé du programme d'un bombardier anglais, le Vulcain, et le programme de bombardier supersonique français des moteurs du Mirage 4, qui étaient les moteurs ATAR. Nous sommes dans les années 60, et dans les années 60, on voit... On sent que le marché de l'aviation commerciale va se développer. Dans le domaine civil, il y avait l'ambition de De Gaulle de montrer au monde que la France était capable de faire un avion supersonique en coopération avec les Anglais. L'expertise de SNECMA, c'était l'expertise de la réchauffe qui est nécessaire pour propulser un avion en supersonique. Il y a lieu de faire qu'on appelle une post-combustion pour laquelle on était spécialisé au niveau SNECMA. L'Olympus est le premier programme de propulsion supersonique d'un avion civil. L'aventure Concorde se révèle porteuse pour le motoriste français. En 1971, sous l'impulsion de René Raveau, son président-directeur général, la SNECMA s'engage dans une ambitieuse coopération, cette fois-ci avec le géant américain General Electric. De cette collaboration naît la famille des turboréacteurs CFM56
les plus vendus de l'histoire. Le programme CFM56, dès le départ, a été une volonté de s'orienter vers une coopération franco-américaine. Parce que le transport subsonique civil était surtout un marché américain. Et pour vendre aux Américains, il faut travailler avec les Américains. L'objectif, c'était de remotoriser le Boeing 707, qui était l'avion le plus répandu, avec 4 moteurs par avion, une affaire intéressante. Nous avons commencé à travailler avec General Electric et nous avons lancé le programme et la société commune CFM International en 1974. C'est devenu très rapidement le moteur plus fiable au monde, le moins polluant et le plus rentable. Et donc, le succès du CFM56, c'était une consommation de l'ordre de 30 ou 40%, je n'ai plus le chiffre exact, de moins que le moteur existant, nettement moins bruyant et nettement moins polluant que le JT8D, qui était le leader mondial du moteur de cette catégorie à l'époque. Nous avons été, quelques années plus tard, sélectionnés par Boeing comme simple source sur le Boeing 737, et ceci a été vraiment le point d'orgue de cette aventure CFM. Notre objectif au niveau des deux sociétés a toujours été d'être là où il faut au bon moment. The right program at the right time. C'était ça l'objectif. C'était vrai au niveau de Boeing, sur le Boeing 737, et chez Airbus aussi pour les programmes A320, les deux programmes leaders dans le domaine du transport civil. Les performances du turboréacteur de nouvelle génération, LEAP, héritier de la tradition du CFM56, perpétuent et améliorent ses qualités au-delà des normes établies. Prévu pour propulser les nouveaux Boeing 737 MAX et Airbus A320neo, le LEAP affiche déjà des commandes provenant des 5 continents. Toute l'histoire de l'aviation, ça a d'abord été de faire des moteurs à la fois toujours plus puissants, toujours plus légers, et toujours plus efficace en consommation. Ça a d'abord été des moteurs à piston, des origines jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'apparition des premiers moteurs à réaction, l'apparition des premiers turbopropulseurs, le grand essor des Boeing 707, des Caravelles, qui ont été une vraie rupture dans l'histoire de l'aviation fondée sur des réacteurs. Et puis on arrive aux années 70. Et dans les années 70, il y avait les chocs pétroliers, on cherchait à être plus efficace mais aussi plus économe, et puis il commençait à avoir beaucoup d'avions dans le ciel, et donc on cherchait aussi à être attentif au bruit. Et est apparue une idée géniale qui est celle du réacteur double flux, le JT8D de Pratt & Whitney, et surtout le CFM56 qui a été décrit dans le film le moteur le plus vendu de l'histoire. Et le grand intérêt, c'est que la poussée est généré un peu par les gaz brûlés, mais principalement par de l'air frais pris à l'avant du réacteur, comprimé et rejeté à l'arrière. Sur un CFM56, on a une poussée 6 fois plus importante à base d'air frais qu'à base de gaz brûlé. Le résultat, c'est d'une part une économie de bruit, parce que cet air frais est beaucoup moins rapide, d'autre part une économie de pollution, parce que c'est de l'air pur. Et ça a été un changement très important. On a réussi à avoir des moteurs plus efficaces, moins polluants et beaucoup moins consommateurs de kérosène. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? Bon, il y a d'abord une option simple, c'est de continuer sur la voie des moteurs à haut taux de dilution. Et si au lieu d'avoir un moteur enfermé dans une sorte de cylindre, on enlève ce cylindre, on met des systèmes d'hélices dedans et on les met en plus sous forme de 2 plateaux d'hélices contrarotatifs, on obtient l'open rotor qui permet des progrès considérables dans le taux de dilution et dans l'efficacité de la machine. Il est un peu bruyant, il faut que nous maîtrisions le bruit. Après, on arrive au bout du moteur thermique classique, mais on pense au moteur électrique. Vous avez vu quelques images de l'IFAN.
mais on n'ira pas loin avec des moteurs électriques à batterie parce que on ne sait pas bien stocker l'électricité. Vous avez vu quelques images du Solar Impulse, mais l'énergie solaire est tellement dispersée qu'il faut un avion de très grande surface pour récupérer assez d'énergie dans les batteries solaires. En revanche, l'hybride, comme pour la voiture, est possible en produisant l'électricité avec un moteur à kérosène, optimisé pour ça, et en faisant fonctionner des propulseurs qui, eux, sont des propulseurs électriques. Et puis après, il y a une autre voie. L'autre voie, ce n'est pas une voie de mécanicien, c'est une voie de chimiste. Arrêtons de mettre du kérosène d'origine fossile qui réémet du carbone et des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et remplaçons-le par un biokérosène et on maîtrise ainsi les gaz à effet de serre. Nous travaillons tous sur ce type de sujet, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Aujourd'hui, ces carburants sont trop chers et pas assez nombreux, mais c'est sûrement une voie d'avenir. Et puis au-delà de 2050, là, je ne sais pas vous dire ce qu'il y aura. L'histoire des moteurs, c'est une histoire d'innovation extraordinaire, mais c'est une histoire lente parce que c'est très complexe de faire un moteur. Et donc, rendez-vous en 2050 pour voir quelles seront les innovations du moment.